Et salut à tous et bienvenue, je suis Linklagis pour vous servir et j'espère que vous allez bien, aussi bien que moi, aussi hypé que moi, pour cette nouvelle aventure qui commence sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le début du temps attendu par beaucoup et notamment par moi, Final Fantasy VII Remake, première partie. Oui, parce qu'on rappelle, le jeu est un jeu, on va dire, en épisode, et que ce n'est pas le jeu complet de la ce n'est pas le jeu jusqu'à la fin du FF7 original. On sait globalement jusqu'où on va aller, pour ceux qui connaissent l'histoire de FF7, et pour ceux qui ne la connaissent pas, eh bien, je vous invite à découvrir ça en ma compagnie. On va d'ailleurs, je précise, jouer avec les voix japonaises sur ce Let's Play YouTube. Pour ceux qui sont éventuellement intéressés par la VF, sachez que un petit peu plus tard, je referai le let's play sur ma chaîne Twitch, dont vous avez le lien en description de chacune des vidéos. Et cette fois-ci, on le fera avec la VF. Parce que j'ai très envie aussi de découvrir cette VF que je connais déjà plus ou moins, mais pour voir ce qu'elle donne en jeu. Du coup, en ce jour du techniquement 10 avril, jour de la sortie. Alors que bon, bah, spoiler, hein, moi j'ai le jeu depuis déjà quelques jours, depuis le 3 avril. Donc je me permets de record à l'avance, pour prendre un petit peu d'avance sur FF7 et le savourer, en évitant les spoils, évidemment. Donc, j'arrête mon blabla, j'arrête tout ça, on perd pas de temps, en tout cas pas plus. On y va, nouvelle partie en mode caméra normale. Difficulté du jeu, on va y aller en normal, hein, aspect stratégique, ouais, bon. Difficulté peu élevée pour se concentrer sur l'histoire ou non. Et donc c'est le fameux mode classique qui a été ajouté, équivalent à facile, dans lequel les personnages combattent automatiquement et où vous décidez juste des commandes à effectuer. Non. On va y aller en mode normal, en mode tranquille. Et cette musique, ah, bonheur, go. Et je vous laisse savourer, en même temps que moi, la scène d'intro. Thank you.
Suis-lui. Et nous y voilà. Ah, cette intro. D'ailleurs, petite différence avec l'intro qu'on avait dans la démo, avec la petite scène en début de cinématique avec Midgard de jour. Ça fait bizarre, mais pourquoi pas. Petite vue de Midgard en pleine journée, donc moi ça me va. Allez, on est parti. On est parti. Bon, je vais pas relire forcément tout le système d'attaque, etc. On l'a vu durant la démo et D'ailleurs, je pensais à un truc durant l'intro. Je pense que je vous mettrai en playlist, soit dans les fiches au-dessus de l'épisode, soit dans la playlist en fin d'épisode, ma playlist de FF7 originale. Pour ceux qui veulent faire quelques comparaisons, dirons-nous. Parce que moi, clairement, je vais les faire, les comparaisons. Parce que, techniquement, en live, on a terminé FF7 il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, je veux dire, les comparaisons vont être complètement présentes. Hein, je vais me sentir obligé de faire « Oh, ça c'était comme ça !»« Oh, ça c'était pas comme ça !»« Oh, ça c'est mieux !» Oui, alors ça, on s'en fout. Mais oui, voilà. En gros, d'ailleurs, j'avoue que j'ai pas encore forcément décidé. Ça va se gérer au feeling par rapport à la durée de l'épisode d'aujourd'hui. Ah, merci les potes, hein. Je disais donc par rapport à la durée de l'épisode d'aujourd'hui. C'est le premier épisode du Let's Play, donc je me dis on va le faire potentiellement un peu plus long. Mais on va pas non plus le faire de 2h30 non plus, pas déconner. Donc je sais pas encore jusqu'à où on va aller. Je sais pas encore jusqu'où on va aller, pardon, j'étais un peu concentré sur le mec que j'étais en train de défoncer. Mais en soi, du coup, on va quand même, voilà, pas non plus s'arrêter au bout de 10 minutes. Je vais, je pense, tabler sur des épisodes de environ 40-45 minutes, je pense. Ça me paraît pas mal pour un RPG et pour profiter de notre aventure avec Cloud, n'est-ce pas? Oh, tiens. Je l'avais pas vu dans la démo, lui. du coup... oui, bon, détruire des objets, oui... Les caisses marquées Shinra. ね、ソルジャーがなんだってうちらの仲間になるの?その人キャリアを捨てるわけ?名前はクラウドストライフ。武装路線で行くとなれば、プロフェッショナルの参加は不可欠だ。俺は歓迎するね。 勝手に仲間にするな。仕事が終われば他人だ。ちょっと。そんなもんクラス。見た目がいいから許す。始まった。まずは顔基本でしょ?どうせ俺は基本がなっちゃいない。っていうか出場種目が違う。もういい。それ以上言うな。例えるなら。例えるな。 Ah non, mais comme on disait durant la démo, Biggs, tu joues dans une autre catégorie, mais une catégorie bien supérieure, évidemment. Non, s'il vous plaît, mais le charisme de Biggs, il est tellement stylé. Oui, tu comptes sur moi. Ben moi, je fais mon taf et ensuite, je me casse. Après avoir reçu ma paye. Pas déconner. ただの金目当てならここまで来ないっすよね。クラウドさんだって星の未来を思う気持ちは俺たちとは。興味ないね。え。
Petit. Comme je le disais, du moment que j'ai ma paye, le boulot sera fait. Et ce visuel ! Oh, bonheur ! Alors, globalement, je vais essayer de me taire pendant les cinématiques pour qu'on puisse tous en profiter. Mais j'avoue que de temps en temps, il va y avoir des petits cris de jouissance, ça, j'annonce. Ah, très clairement. Ah, les chiens de garde. Qu'on connaît, hein. Ils ont été repris, évidemment, de FF7. Alors, normalement... Ouais, voilà. Je cherchais chez le ciblage. Reviens là, saleté de pléba. Oh, méthode de choc. Tu bouffes. Alors oui, aussi, hein, je rappelle, évidemment, dans les commentaires, pour ceux qui jouent au jeu, no spoil, évidemment, que ce soit pour moi ou pour les personnes qui regardent la vidéo, ayez un minimum de respect, évidemment. C'est pour ça d'ailleurs que moi, même si j'avais le jeu et j'aurais pu sortir les épisodes bien avant, je me suis contenté de sortir les épisodes à partir du 10, jour de sortie officielle du jeu. Bon bah, avoir un minimum de respect envers le travail des devs. Mais bon voilà, du coup, pas de spoil. Sinon, c'est ban du... c'est suppression du commentaire et ban de la chaîne, hein, ouais, y a aucun respect. Mais bon, ça, vous en avez l'habitude. Et puis là, on est pas mal. Et d'ailleurs, donc, c'est vrai que j'allais parler de ça à la base, mais... pour l'instant, on va dire qu'on va savourer le jeu en mode tranquille. Je sais pas si ce sera un jeu fait à 100%, même si moi, clairement, de mon côté, je vais le saigner, ça c'est sûr. Je ne garantis pas que le jeu sera fait à 100% en vidéo. On verra bien. Ce sera la surprise. En vrai, je sais pas du tout qu'est-ce qu'il y a en termes de quête annexe, en termes de contenu, on va dire, supplémentaire dans ce remake. Donc on verra bien. On va le découvrir ensemble, tranquillement. Ah oui, et d'ailleurs, c'est vrai que je l'ai pas forcément dit, mais j'ai pris la version classique du jeu, la version la moins chère. Donc on aura en bonus, je crois que c'est une invocation, je sais plus. Mais en tout cas, j'ai pas toutes les invocations bonus qui coûtaient un bras, hein, clairement, qui... Voilà. J'ai préféré prévenir. Après, je vais quand même aller vérifier s'il n'y a pas du loot. Voilà, il y a quand même des items ici. Ici aussi. Bon bah, let's go. Allez, ça dégage. En mode choc. Voilà. Ah, Bichat, t'es quand même... Tu t'es fait toucher en venant m'attaquer dans le dos. Attends, ça pas doué, Michel. Allez, go. J'ai tellement l'impression de reprendre... Bah, de reprendre quasiment 20 ans, hein, dans les dents. Ah, clairement, ça fait... Bah, je rappelle, FF7, c'était 80... Ah, 80... Ah, je sais plus, 97, 98, je sais plus. Il me semble 97, donc faites le compte, hein. Un bon 20 ans dans les dents. Et on peut dire, pour ma génération, on pourra dire, on y était. On a vu l'origine. Bon, je fais le tour, on va voir s'il n'y a pas du loot, évidemment. Hein. Et surtout, bah, ça va être
la curiosité de voir ce qu'ils ont ajouté dans cette version de FF7 Remake. Ça va être l'occasion de voir ce qu'ils ont rajouté, puisque les devs nous ont promis une 60aine d'heures de jeu. Donc disais-je, une 60aine d'heures de jeu, rien que sur cette première partie de FF7 Remake. Donc on va voir. Le réacteur numéro 1. なこの腕さえひねるソルジャーといや、神羅の番犬。マコールは初めてじゃねえんだろ。俺をマコーダマリのブリッジまで案内してくれ。教えたくねえってか。神羅に未練たらありじゃねえか。中堅したっぷかよ。拒否したって意味ねえぞ。もともとお前抜きで立てた作戦だ。 Et bah c'est ce qu'on va... Va falloir prendre tes pilules, hein, Barrette, hein. Va falloir prendre les pilules et se calmer un petit peu, hein. Ah là là. C'est là. Oui, donc, réjo. Oh, cette musique. C'est remix. Mais c'est remix. Donc oui, c'est vrai que je l'ai pas forcément dit, mais je passe les tutos parce qu'on les a déjà vus durant la démo. Ce tuto va parler de l'attaque spéciale de chaque personnage en appuyant donc sur triangle, vous l'avez en bas à gauche. Cloud passe en mode bravoure du soldat qui fait que je tape plus fort, mais que je suis plus lent. Ok Biggs, je fais confiance à ton style. Mais bon, qu'est-ce qu'il en dit, Biggs? Il en dit rien de plus. Très bien. On récupère, même si j'utilise 0... J'ai utilisé 0 MP, je peux utiliser de magie pour l'instant. D'ailleurs, est-ce qu'on a accès au menu? Donc juste la carte, oui, on est d'accord. Mais... Qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça c'est les points d'accès, j'imagine. Bon, l'objectif... ça c'est nous, très bien. Le menu principal, voilà, c'est ce que je voulais voir. On a donc, ouais, une matéria de feu, très bien. L'inventaire, très rapidement, ok. Équipe, bon, bah pour l'instant, on a Cloud, hein, on est content. Ennemi. Ah bon, on a le bestiaire ici, ok, très bien. Et réglage de combat. Oui, bon, c'est pour les... Pour les raccourcis manettes. Du coup, je vais quand même mettre mon petit feu, hein, histoire qu'on puisse en servir rapidement. Et ok, allez go. On est parti. Ouais, calme-toi. Ok. Nibelheim. Le grand frère qui sépare. Ah là là.
Donc cette petite scène avec Tifa enfant n'était pas dans la démo. Donc c'est plutôt cool à voir. このネズミどもはアバランチを名乗っているようです。とはいえ、かつてプレジデントの命をつけ狙ったあのアバランチとの関係は不明。現在調査中ゆえ、今少しのご猶予。てめえが飯食ってる時、眠りこけてる時もこのバカでかいポンプが魔光をガンガン吸い上げるわけだ。 休みなく容赦なくよ。お前、魔光の正体を知ってるか。魔光はこの星の血だ。俺たちの体を流れる真っ赤な血と同じ。ってことは、このまま吸い続けたらどうなるよ。星の悲鳴が聞こえねえか、クラウドさんよ。あんたには聞こえるのか。おうよ。 医者に行け。あ、 cette respiration rock sur ta nuque. ここからは慎重に行く。少しでもおかしな動きをしやがったら容赦しねえ。中距離連射型の警備兵器ね。クラウドの件じゃ苦戦は必至。うるさくても我慢してね。 J'étais curieux de ce qu'allait donner cette scène avec les voix japonaises, puisque dans la démo on avait que les voix françaises. J'étais curieux et ça rend très bien. Du coup, Barrett rejoint enfin l'équipe et on va pouvoir jouer avec lui. En changeant donc de personnage avec gauche, droite, haut ou bas. Et à la différence de Cloud qui est au corps à corps, Barrett évidemment se bat avec son fusil à la place de son bras. Et son attaque spéciale, c'est du gros canon. Baboum! Aïe, aïe, aïe! Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. C'était une roulade que je voulais faire, mais bon, le menu m'a un peu dérangé. Voilà. Ah oui, c'est vrai que du coup, on va pouvoir lancer des compétences avec les personnages qu'on ne contrôle pas. Donc là, vous voyez que je suis avec Barrett. Mais si je le désire, je peux complètement demander à Cloud de lancer un truc si sa jauge ATB est déjà remplie un minimum. Tu lanceras pas ton feu. Tu... Aïe, bon tu l'as lancé. Mais bon. D'ailleurs, tac, on va faire un sort de soin sur Cloud. Aïe. Ah, il l'a pas lancé du coup, très bien. Donc je disais un sort de soin sur Cloud. Merci bien. Et voilà, donc en fin de combat, on repasse sur Cloud. Très bien. Bon, non, c'était là, c'est par là qu'on est arrivé. Allez, go! Oh, mais ce plaisir n'empêche de pouvoir enfin jouer à ce jeu! レーザーは一定間隔で明滅する。消えたタイミングを狙って進む。さすが。じゃあまず私からスリルが大好物なの。おい。その綺麗な目にしっかり焼き付けてね。
Ah là là. Ah bah des yeux injectés de Mako, j'ai envie de dire. Hein. Mais bon, ça... nous le verrons plus tard. Pour ceux qui ne connaissent pas éventuellement l'histoire de FF7, on ne va évidemment pas trop en lire. Une potion, ça c'est cool. Allez, go! Go! Non! Go! Non! 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 Non plus! Go! D'ailleurs, à savoir que pour tester dans la démo, en fonction de si on rate ou pas les passages au laser, enfin, entre les lasers, les dialogues de Jesse sont différents. Voilà, je trouve mes mots, excusez-moi. Oui, alors avant d'y aller, je me souviens que voilà, dans la démo, il y avait ça ici, donc autant en profiter. Allez, un petit éther, on récupère, et on va à la baston. Non. Donc vous voyez, quand je disais qu'on va pouvoir changer de personnage directement en combat. Oui, il faut le mettre en fragilité pour augmenter la jauge de choc. Et une fois qu'elle est en choc, elle fait masse... enfin, on lui fait masse dégâts. Donc là, on va en profiter. Barrette, tu vas lancer un sort de foudre. D'accord. Et il est en mode choc, détecteur de faiblesse. Allez, go! Allez, on le bourrine! On le bourrine! Bon, il est pas fini, mais presque. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai oublié, mais on a des compétences. Hein. On n'est pas obligé de bourrer dans le tas. On a des compétences. Merci. Je vois s'il y a des coffres sur les côtés. Ça fait... oui. T'as pas fini, Barrette ? Non, mais... Allez, on n'a pas que ça à faire. Pendant que Jesse vient de se manger une porte. Et voilà donc notre objectif. Comme je disais, l'épisode d'aujourd'hui, je pense, va être un peu plus long que ce que je vais faire par la suite. Je pense partir sur des épisodes de 40-45 minutes. Mais bon, tout ce qu'on fait là pour l'instant, en dehors des petits ajouts de cinématiques qu'on a vu pour l'instant, tout ce qu'on a fait maintenant, on l'a déjà vu dans la démo. donc on l'a déjà vu dans la démo, donc en soi je vais essayer de passer ça plus ou moins rapidement. Mais bon. Oh, elle me dit toujours genre non reviens. Oui, bon. Elle le dit toujours en mode reviens ici Michel. Ah tant pis, on peut pas rester avec Jesse. Allez go. Ha!
Allez, bouffe. Voilà. Au moins la tourelle, elle est out. Mais non, mais il était avec un, lui, j'avais pas vu. J'avais pas vu qu'il y avait un truc qui nous avait passé, qui nous était passé dans le dos. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Du coup. Ah, j'avoue que c'est quand même très court de se laisser aspirer par le. Par le réacteur. Hein. Pour quelqu'un qui essaie de les détruire, c'est quand même très court. Non, mais. Une médaille Mog. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça, une médaille Mog? Comment ça, je peux pas... Ah, il faut être bien à l'arrêt pour pouvoir avoir le menu, ok? Et donc, médaille Mog, un objet clé, dans lequel fait, elle a beaucoup de valeur aux yeux des collectionneurs. Ok. J'ai aucune idée de ce que c'est, mais on verra bien. On verra bien, on verra bien. En attendant, descendons. Yahoo! Et on va donc arriver à un autre combat de boss. Sate, Shinra a okuri konde kita inu ja nai tte koto o shoumei shite morau ka. Je m'attendais presque à un petit, une petite scène en plus, mais... Eh ben on va mettre 20 minutes. En gros, si on met 30 minutes, comme ce que j'ai testé dans la démo, Barrett se fout de notre gueule. Littéralement. Allez, go! Aïe! Du coup. Non, tac, tac. Oh, mais cette musique! Mais cette musique! Excusez-moi, je. Ah oui, sauf que Barrett n'a pas assez... Aïe, aïe, aïe. Barrett n'a pas assez de MP. Bon, Barrett, t'attaques un peu ou bien? Merci. Allez, on monte sa fragilité. Se libérer d'un ennemi... Ah oui, c'est que Cloud s'est fait choper. Bon, Cloud a bouffé, mais j'arrivais pas à cibler autre chose en fait. J'arrivais pas à cibler autre chose, je sais pas.
Mais non, il te faut pas de soins, t'es tranquille là. T'as moins d'un tiers de vie, t'es large. Go. Aïe, 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 aïe. Mais où tu tires, t'es sérieux, Barrette? C'était quoi cette arnaque? Tac, tac, générateur de barrière. Bouf! Ah, il est immunisé. Merde. Et j'arrive pas à. Ah, quoique là, c'est passé. Briseur d'étreinte. Ah, c'est passé, c'est passé. Allez, bouf! Oui, bon, attaquer par derrière, ça va être un peu compliqué là, Michel. Bon, on va claquer une petite potion sur Cloud. Ainsi que sur Barrette, parce que voilà. Hein. Il l'a claqué, c'est bon. Hop, 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 hop. Allez, bouffe! Tac, tac, tac. Et on se bat! J'ai pas eu le temps. Aïe! Bon, Barrette. Ah oui, non, Barrette n'a plus de. N'a plus de jauge ATB. Barrette n'est pas chaud. Oh non, saleté! Non, j'allais dire une esquive, j'en ai quand même bouffé. Bon, on se casse! Tac, sort de foudre, tac. Pendant que moi, je vais me soigner. Allez, bouffe! Non, pas la queue! Aïe, 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 aïe! Et bon, on va racloquer une potion! tac, tac, et tac! Non, oh, saleté! What? Bon, on va viser avec ça. Hein. Allez, bouffe! Cloud, potion, tech. Allez, transcendance, impeccable. Qui c'est qu'il a? C'est Cloud. En même temps, il en a pris plein la gueule là. Allez, go. Quoique non, pas go maintenant. Je vais la garder. Je vais la garder, tac, soin sur Cloud. Bon. Voilà pourquoi je voulais la garder. On se casse! On se cache! Voilà ce qu'on fait.
Et là, on y va. Sur le scorpion. Tac. Garde ton. Garde le peu de MP qu'il te reste. Arrête. Tac. Non. Ah, saleté. Allez, bouffe! Aïe. Non. Tac. Tiens, je suis curieux d'ailleurs. Très curieux d'un truc. Bouffe, grenade, mon gars! Bon bah, il a bouffé une grenade. Ah bah voilà, quand même, j'ai réussi à l'esquiver. Non. Il est où, là-bas? Barret, tu veux pas faire un petit foudre, s'il te plaît, hein? Aïe. Allez, bouffe! On se cache. J'essayais de voir si je pouvais tirer par-dessus en fait, hein, je l'ai. Aïe. Saleté, j'ai pris cher. Allez, on a le temps. Oh non, ça a pas touché, nul. M'en fous, je suis caché. Allez, bouffe. Allez. Dernière phase du combat. Aïe. Comment je joue ça? On va jouer ça comme ça. Tac, sur la patoune. Cloud, tu lances une potion sur Barret. Saleté. Non. Ok, c'est bon. D'ailleurs, Cloud, tu vas me faire un truc du style. Genre ça. Parce qu'au final, j'ai très peu utilisé les compétences de Cloud. Ce serait peut-être l'occasion en fait. Tac. Et tac. Voilà. Là, on cause. Et tu meurs. Non mais... Taïo! Allez, on a 20 minutes pour se barrer. En théorie, on devrait être large. Mais bon, c'est tant jamais. Excuse-moi, Barret, je te passe à travers. Hein, je m'en fous.
a pas que ça à faire. Là, il n'y a pas de politesse qui tient. C'est premier qui arrive, premier qui part. Allez, go, go, go. Oh, je l'ai raté. Ah non, je l'ai eu. J'allais dire, je l'ai raté. Non, c'est, ça va, tout va bien. Et Barrett Bon, Barrett s'est perdu en route. J'imagine qu'il a dû déjà passer devant. Oui, voilà. Allez, go! Donc, phase de jeu où, à l'époque, on pouvait laisser Jesse crever ici. Chose qu'on ne va évidemment pas faire, puisque on ne peut pas. T'inquiète, je la protège. Allez, go! Alors, attends deux minutes, il y a du loot. Je sais que tout va péter, mais c'est pas une raison pour ne pas looter. Ah, d'ailleurs, je suis en train de voir les caisses qui sont en dessous. C'est là où on était tout à l'heure. Les caisses ont repop entre le moment du... Ah, je loot, laisse-moi tranquille. Entre le moment où on a pété les caisses et le moment où on a affronté le scorpion, les caisses ont repop. Donc c'est bon à savoir. Les caisses de petits loot peuvent repop. Allez, go. Allez, go! Allez, ouf! Ouais, ils s'enferment le feu, les trucs qui volent! Mais on va? Oh, genre, j'ai tapé sur la rambarde! Oh, cette loose! J'ai tapé sur la rambarde de la porte. Bon, par contre, voilà. Non, parce que bon, dans l'idée, ce serait quand même con de crever dans le premier épisode. Allez, bouffe! Barrett, non, t'as pas assez de. T'as pas de jauge ATB. Saleté! Allez, ouf! Ok, Barrett, là cette fois-ci c'est bon. Tu lances de ta foudre. Petit choc transperçant pour monter la barre de fragilité en état de choc. Allez! Voilà! Allez! Je crois qu'il a tiré dans le plafond. À vérifier, mais je crois qu'il a tiré dans le plafond, le mob. Comme quoi, il n'y a pas que moi qui peux rater mes attaques. Allez, bouffe! Voilà. On se taille! Je regarde en même temps s'il n'y a pas des items ou quoi, mais apparemment je n'en vois pas. Je dis pas qu'on va tout ramasser, mais bon, si on peut en récupérer un maximum, ce serait pas mal dans l'idée. Oh, saleté! Ah,
Barrette, un petit... Non, bah rien du tout, Barrette, puisque t'es occupé. Voilà, maintenant, Barrette, j'ai besoin de toi. Tac, soin sur Cloud. Balance, voilà, merci. Allez, allez, allez. Voilà. Et bouffe. Pas d'autres caisses de loot ou quoi que ce soit, non, en tout cas je n'en vois pas. Allez, plus que 15 minutes 30. Ça j'embarque. Ça j'embarque. Et ça je tue. Aïe, aïe, aïe. Enfin, c'est le mob qui a rigolé ou c'est Barrette? J'arrive pas à savoir lequel s'est foutu de ma gueule. Ok, c'est le mob. Allez, bouton choc, mon gars. Et Barrette level up. C'est bon, ça. La sortie, c'est par là. Ah, barre-toi. Eh, je veux défoncer toutes les tourelles d'abord. Voilà, au moins on est tranquille. Allez, vas-y. Marre-toi, esquive celle-là. Aïe. Non, tac. Et tac. Aïe. Oh non, saleté. Il est en train de me défoncer. Ah oui, non, j'ai plus de jauge à TV. Ok, très bien. Oh, saleté. Bon, tac. 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 Allez, bouffe ton choc. Allez, bouffe. J'ai dit bouffe. Ouais, petit remontant par contre, parce que là, 13 minutes 20 environ. Allez, appuie! Voilà, on était large! Allez. Ah bah oui, du coup là par contre on le voit très très bien. En fait c'est un truc sur lequel je me faisais une réflexion, c'est que sur différentes images de l'épée de Cloud, certaines fois en fait je voyais donc avec deux trous en haut, enfin au niveau de proche de la garde de l'épée. Et des fois, il y avait des sortes de ronds, donc en fait, je me disais, ouais, il y a de la matéria, et du coup, ouais, clairement, là, on le voit.
on le voit dans les deux trous qui, n'ont sens, enfin, qui sont censés être vides à la base, bah là il y a une matière verte. Donc j'imagine que c'est de la matière et que c'est donc c'est ma matière de feu. Allez. Et du coup, la démo se terminait ici. La démo s'est terminée donc ici, à la base. Une entrée en matière. Et ça, c'est de l'entrée, mon gars, clairement. Par contre, ce que j'apprécie, c'est que au final, dans le Final Fantasy VII original, quand on fait péter le réacteur, on voit pas vraiment de conséquences. Là, on voit clairement tout le quartier qui est sans énergie, en fait.爆弾はレスピ通りに作ったはず。でも気化した魔光が反応してるのかも。これは町まで行っちまったかもな。町より星だろ。星の命ちょっとは伸びたかな。そうじゃないと困る。さあ、外に出よう。ここ8番街でしょ。まだ先っす。よし、先導してくれ。了解っす。 Très bien. Eh bien, vu que c'est le début du chapitre 2, un nouveau chapitre, eh bien, on va s'arrêter là. Oui, bon, arrêtez de parler. Comme je disais, vu que c'est un début de nouveau chapitre... Non mais sérieux, arrêtez de parler. Donc, je disais, début de nouveau chapitre, et au final, on a rattrapé ce qu'on a pu faire sur la démo, et ça nous fait un petit épisode d'environ une heure, moi ça me va. J'espère en tout cas que ce premier épisode de cette aventure Final Fantasy VII Remake vous a plu. Si c'est le cas, vous le savez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo, à la commenter, et à me montrer votre hype dans les commentaires. Et bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de cette aventure et de la suite qui va venir. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, mais d'ici là, portez-vous bien et que la funk soit avec vous, les amis. Ciao, ciao.